et une fracture encore palpable ce matin sur le Vieux-Port. Une image de la gauche pas vraiment positive. Et c'est en tout cas ce qui ressort des réactions recueillies ce matin. Écoutez. Primaire socialiste, s'ils pouvaient se manger entre eux, si on les lâcherait, on sent la tension très très forte des candidats. On vote toujours pour le mauvais côté. Le bon côté, il est toujours mis de côté dans la vie et c'est dommage, quoi. Samia Ghali, elle aurait fait du bon travail dans la ville et c'est vraiment une grande déception qu'elle ne soit pas sortie parce que la femme, elle a du cœur, la femme... Elle fait avancer les choses et les hommes, en général, ils pensent plus à eux qu'à la société. Ils ne se réconcilieront jamais, mais bon, on va faire bonne figure pour dire qu'on travaille ensemble et qu'on va aux élections ensemble. Voilà. Ça a été un grand foutoir, mais bon, voilà, il en est sorti Patrick Mennucci vainqueur. Mais bon, je ne sais pas si c'est le candidat idéal en face à Godin.